Salut à tous et à toutes, c'est Alpha. Aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne YouTube. Donc, je résume ma vidéo. Vidéo concernant le DLC 1 de Infinite Warfare. Donc voilà. Sur cette vidéo, je vais plutôt vous parler du DLC 1 en mode zombie. Parce qu'on a extrêmement d'infos pour le DLC 1 du mode zombie. On a déjà la date de sortie, l'affiche du DLC. Et il y a un petit mystère avec Activision dedans. Enfin, je vous en parle et je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Donc tout d'abord, on va déjà parler de l'affiche de ce DLC, parce que on peut voir que le zombie, bah, il ressemble à un zombie de Dying Light. Donc pour ceux qui connaissent pas le jeu Dying Light, c'est un jeu en mode zombie et tout. Voilà. Donc voilà. Donc on a déjà cette affiche. Donc le zombie, il a la tête déchirée un peu. Enfin, on s'en fout un peu, mais voilà. Donc là, on va tout de suite regarder. On va mettre un petit zoom en dessous de l'affiche, donc on voit un petit easter egg avec Activision. Donc c'est écrit Activision présente Infinite Warfare production, et ça c'est déjà une petite piste, un petit secret pour le zombie de Activision, s'il serait pas lié au zombie de Infinity Ward. Donc je dis pas des trucs comme ça, je sais pas, c'est une théorie. Et ça m'intrigue vraiment, parce que enfin voilà quoi, on n'a pas eu de cinématique sur le secret du jeu. Enfin voilà quoi, c'est voilà, je sais pas. Voilà, donc je vais aussi vous parler de la date de sortie du jeu du DLC. Donc le DLC, donc Liros nous a publié un tweet disant la date de sortie du DLC 1 de Infinite Warfare. Donc voilà, donc il sort le 31 janvier pour les PS4. C'est écrit PS4 et PS4 Pro, c'est pareil, c'est pour la PS4. Donc c'est pour les PS4, donc je suis un peu déçu parce que moi je suis sur Xbox One. Enfin voilà, bon, je sens que la communauté Xbox est un peu déçue, mais bon, c'est pas grave. Ça a toujours été comme ça de toute façon. Et voilà, donc il sort le 31 janvier sur PS4. Donc vous inquiétez pas, je vais vous mettre des gameplays avec ce DLC. Et voilà quoi, on a déjà la petite sortie, la petite date de sortie du jeu. On a déjà un petit mystère avec Activision. Enfin ça, je sais même pas pourquoi ils mettent Activision. Alors que Activision, normalement, ils collaborent avec BO3, si je me trompe pas. Voilà. Et voilà, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Personnellement, ça, c'est vraiment... c'est bizarre encore qu'on a déjà plein d'infos comme ça. Mais déjà, la date de sortie, on l'a. Donc c'est déjà ça. Donc c'est comme ça, sortait le 1er février. Donc voilà, donc pour ceux qui savent pas, pour ceux qui ont le Season Pass, et ben, ils ont juste à le télécharger, ils n'auront pas à payer. Donc le DLC, il coûte 15€. Et voilà quoi, enfin vraiment je suis super excitée en ce moment. Donc j'ai sorti la masse de vidéos pour ce DLC, parce que voilà quoi, enfin je vais faire beaucoup de vidéos concernant le DLC 1. Et ne vous inquiétez pas, pour les joueurs multijoueurs, je vais faire des vidéos pour les multijoueurs de Infinite Warfare. Et voilà, du DLC 1 de Infinite Warfare, et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura éclairci les choses à peu près pour le DLC 1 du zombie de Infinite Warfare. Et voilà, donc si ça vous a éclairci les choses et tout, ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like pour cette vidéo, parce que j'ai trouvé beaucoup d'infos et tout, j'ai pu chercher pendant une heure toutes les infos et tout, j'ai trouvé que ça, mais bon, c'est déjà beaucoup, on a déjà beaucoup d'infos, et voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, donc voilà, comme d'habitude, le petit like si ça vous a aidé et tout. Et voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner pour les nouveaux si mon contenu vous plaît. Et voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure ou à demain pour une nouvelle vidéo. Bye !